Alors tout le monde, ici, on a un magnifique Jaguar I-Pace 100% électrique. Bon, d'abord, ici, on a c'est un I-Pace comme je l'ai dit. Oh, ça, c'est pas la bonne, là, je place. Et ici, c'est un 89 800 $ de base. Ah, bordel, je veux pas juste des foutues photos. Arrgh. Ok, une spécification. Ici, il est 119 176 $, donc il doit être... Ben, au niveau du design, c'est très beau. D'abord, la partie avant, on m'a entouré ça de fibre de carbone, c'est très joli. Les phares bien étirés, je trouve ça très beau, ça fait très voiture. Mais finalement, c'est un utilitaire. Les prises d'air sont fonctionnelles, je crois. Et aussi, quelques appliques de fibre de carbone aussi en bas de cage. Maintenant, mais j'aime moins que le fait que le capot soit comme pas complètement sur la partie avant. Ça, j'aime moins. Puis, une belle prise d'air ici. Okay, qui est fausse, peut-être. Maintenant, de profil, on a les poignées de porte rétractables comme ceci. C'est contribuer à avoir un air plus sportif. Maintenant, au niveau des roues, la dimension est de 22 pouces. Donc c'est énorme. Et aussi, encore une fois, des appliques de fibre de carbone avec le logo avec Jaguar. Ok, maintenant, pour ce qui est de ici, c'est un EV400 Hard Drive. Les phares bien étirés, ça rappelle un peu sur le G-Space, très joli, et aussi la fibre de carbone sur ça. La finition maintenant, moyen. Honnêtement, regardez ici, on voit comme l'écart ici. La finition est moyenne, la qualité de peinture, par contre, ça c'est correct. Mais puis en plus, regardez ici. En fait, c'est même que. Donc c'est bien pour franche. Ici, on a des LED technologies. Ça coûte à peu près 10 000 à remplacer. Puis en plus, c'est pas fiable, là. C'est 10 000. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur? Est vraiment bonne. Tête de charbon. On a un beau bel écran. De Touch Pro. Super facile à utiliser. Facile et genre, j'ai en bosse. Et aussi, la levée de vitesse est avec des boutons au lieu d'une molette. Je trouve ça moins beau. Maintenant, en arrière, c'est quand même aussi confortant. Pas mal d'espace. Puis, on peut installer 3 personnes et une petite bosse. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous.